Selon toi, quand deux personnes de sexe opposé sont dans la chambre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant une heure? Mais ça dépend. Si c'est copain, copine, oui, ça dépend. Ils peuvent faire plusieurs choses. Selon toi, quand deux personnes de sexe opposé sont dans la chambre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant une heure? Alors, pour moi, ça dépend, non? Ça dépend. Il peut entamer un dialogue, non? Selon toi, non? Qu'est-ce que deux personnes de sexe opposé, tu vois un peu, non? Peut faire dans une chambre pendant une heure? Il n'y a pas deux choses, c'est l'amour. Continue. Zekofo Bonabonet, mais ok. Un prénom très très rare. Ok, Zekofo, si on t'a cause déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube, Ragoshin. Nous internautes et moi aimerions savoir ceci. Selon toi, non? Qu'est-ce que deux personnes de sexe opposé, tu vois un peu, non? Peuvent faire dans une chambre pendant une heure? Il n'y a pas deux choses, c'est l'amour. Même avec ta soeur? Non, c'est l'amour. Donc un garçon et sa soeur sont dans la chambre, c'est l'amour, c'est ça, non? C'est l'amour. Je suis enceinte. Donc tu fais avec ta soeur? Ouais, moi, est-ce que moi je connais ça? Hein? Donc tu es sérieux? Je ne comprends pas que soeur, cousine, moi je fais avec tout le monde. Wow. Quand c'est une femme, j'amène ses mains. Donc si tu es dans la chambre avec ta soeur, c'est ça, tu fais? Si elle ne me l'applique. Pardon, fiche le camp devant moi. Ta soeur direct? Je l'applique. Ok. Et pourquoi tu le fais donc? Parce que moi, je suis d'abord quelqu'un qui aime trop le sexe. Trop le sexe? Chaque jour, oui, moi je baisse. Chaque jour. Donc peu importe qui c'est, tu fais seulement. Parce que tu aimes le sexe. Donc, si tu veux faire passer un message à nos internautes par rapport à ça, que le dirais-tu? Je leur dirais que le sexe est bien pour la santé. Il faut bien faire l'amour. Celui qui ne fait pas l'amour, j'ai vite. Il faut bien faire l'amour. Bien même. Mais pour suivre son énergie. Hein? Mais pour suivre son énergie. Non, pour celui qui n'est pas fort. Celui qui n'a pas le sang fort. Ce que tu peux faire passer dans les doigts, c'est quoi? Il faut bien faire l'amour. Même si ta soeur, tu fais. Tu fais seulement, papa. Le dehors est mauvais maintenant. Il y a les jeunes de 18 ans qui meurent pour rien même. Il faut qu'avant de mourir, que tu aies enjoyé la vie. Nos internautes et moi aimerons savoir ceci. Selon toi, quand deux personnes de sexe opposé sont dans la chambre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant une heure? Mais ça dépend. Si c'est copain, copine, oui, ça dépend. Ils peuvent faire plusieurs choses. Mais c'est pas forcément dit que comme ils vont rester dans la chambre pendant une heure de temps, ils seront obligés de faire quelque chose. Ouf. Ah. Mais les internautes veulent connaître ça. Premièrement, en fait, la première chose, c'est que tout le monde connaît que peut-être quand il y a un homme et une femme sexe opposé dans la chambre, la première chose sont des relations sexuelles. La seconde, ça peut être l'amitié. Ils peuvent s'asseoir et causer simplement ensemble. Il n'y a rien de mystique autour, en fait. C'est tout, en fait, c'est ce que je pense. Bon, tu es dans la chambre avec ton frère, tu vas faire comment? Rien, on va juste bavarder ensemble. Rien de tout, c'est mon frère, on bavarde. C'est tout, rien d'autre. Donc tu peux aller dans la chambre avec ton frère pendant une heure? Mais bien sûr, je peux me coucher là sur le lit, on cause ensemble, non. Il n'y a rien de... On bavarde de tout et de rien. Tu vas dire à nos internautes quoi? Que quand on est dans la chambre, on couche et on bavarde, c'est ça? Ça dépend. Il y a certaines causeries, peut-être vous ne voulez pas parler au salon, vous voulez pas, peut-être qu'on ne vous comprenne pas, vous êtes en train de vous bavarder dans la chambre calmement, non. Ça dépend. Bon, si tu veux donner une idée générale, non, tu as du cadeau, c'est internaute, une idée générale. Une idée générale comment? Moi, je ne peux pas donner une idée générale, mais à chacun son avis sur le point. Je ne peux rien dire d'autre, à part juste que chacun a son point de vue concernant la question. C'est tout.
Je te remercie, Audrey. De rien. You, your opinion, what do you think two people can be doing inside a room for more than 1 hour? Your opinion, what do you think? Two people? Two opposite sex, that's a man and a woman, yeah. What they can be doing inside the room? For me, I think two mature people. Yes. It's love. They are playing love. You say love. Wow. Why do you say they can be playing love? Because if they are not playing love, what are they doing inside the room? They have to. If they are discussing, they're supposed to be outside. They can still discuss inside the room, but apart of love, what do you think two opposite sex can be doing in a room for more than 1 hour? Apart from that, I don't know anything else that they can be doing inside the room. Wow, are you sure? They cannot be talking, they cannot be doing anything else to you. What's your opinion? What do you think? They can be discussing. Apart from that, what else? They have a lot of things that they can be doing inside the room. You can you kind one of those things, please? And you say it, don't be scared, you say it. They have so many things that they can discuss inside the room. You can have business that you want to do. Want to share with your partner, you have to discuss inside the room. Yes. Okay. Thank you for your opinion. Thank you so much. No, nothing, man. Ragoshin, nous internautes et moi aimerions savoir ceci. Selon toi, quand deux personnes de sexe opposé sont dans la chambre, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pendant une heure de temps? Je sais pas. Continue. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Parce que je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qui passe dans ta tête en premier? Dis ce qui passe dans ta tête, même si c'est un truc bizarre, tu dis seulement. Je ne sais pas. Oh là là, c'est dans les internautes, c'est en train de regarder. Tu me parles que tu ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, mais je suis sûre que tu n'as pas ce qu'il faut. Comment ça, j'ai pas ce qu'il faut? Non, mais t'as carrément ramené une boîte. En fait, tu savais très bien ce que tu venais faire ici. Un dialogue. Donnant la tête de la première chose qui passe dans ta tête, c'est le dialogue. Ouais, non, moi, c'est le dialogue. Bon, un dialogue corporel, tu vois un peu. Après le dialogue, il y a encore quoi? Tu es bien comme ça? Je sais pas. Marès, l'internaute nous regarde, il faut dire la vérité. Bon, en tout cas, ça dépend d'abord. Ça dépend aussi si c'est deux frères ou bien si c'est une fille et un garçon. Bon, c'est d'abord frère et soeur. Bon, c'est qu'ils n'ont rien. Mais maintenant, si c'est genre copain-copine, mais c'est qu'ils vont avoir des rapports, donc. Ou un peu. Donc, si tu veux, si les internautes te posent, si on te pose la question, je te pose là. Tu vas dire quoi à nos internautes? De manière générale, donc une idée générale de ce que je t'ai posé comme question, tu diras quoi? Je me pose la question. Au moins, je dirais que bon. Bon, je sais pas, ça, en tout cas, bon, ça va dépendre. Ça va dépendre avec de la personne avec qui tu es. Non. La question, regarde, ce n'est pas. La question que je te pose, je n'étais pas de manière réponse à deux volets. Ouais. J'étais une réponse de manière générale. Tu vas dire quoi? Que je vais dialoguer, je vais faire, ou bien. Qu'est-ce que deux personnes ont, je dis bien deux personnes de sexe opposé, peuvent faire dans la chambre pendant une heure? Bon, pour moi, en tant que jeune, deux personnes de sexe opposé ne peut pas seulement être dans la chambre uniquement pour le sexe, mais il peut aussi se partager les idées. Ce n'est pas seulement le sexe qui réunit les gens dans une pièce. Ils peuvent peut-être se partager les idées, ce n'est pas forcément le sexe. Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Ça peut être des idées, ça peut être des études, ça peut être, ça dépend. Mais est-ce que quand je t'ai posé la question, je n'ai même pas évoqué sexe. Tu as une fois parlé de sexe. Donc selon toi, le sexe, c'est la première chose qui passe à la tête des jeunes, c'est ça non? D'abord, les jeunes de maintenant. Oui, d'abord, la première chose d'abord. Tant que le jeune n'enlève pas d'abord, c'est ce qu'il va enlever là. Parce qu'il enlève d'abord, après il cause. S'il n'enlève pas, il ne va pas donner. Mais tu peux être dans la chambre aussi avec ta soeur, non? Tu peux être dans la chambre avec ta soeur aussi. Non, dans la chambre avec ma soeur, c'est encore. Là-bas, c'est un autre côté là-bas. Ma soeur, c'est ma soeur. Mais c'est le sexe opposé. Oui, ma soeur, c'est ma soeur. Mais c'est le sexe opposé. Mais ce n'est pas ça que vous avez demandé. Vous avez demandé de se poser sans préciser ce que ta soeur ou ta copine. J'ai précisé bien, quand il dit sexe opposé, ça veut dire quoi? Même ta soeur, même ta soeur sur le sexe opposé, elle dit deux personnes de sexe opposé, donc garçon comme fille. Si c'est que c'est ma soeur, c'est ma soeur. Mais c'est que c'est une autre personne. Ce n'est pas forcément le sexe
qui va nous amener jusqu'à ce niveau-là. Bon, si tu vas, si on, bon, comme je t'ai posé la question, tu vas répondre à nos internautes comment? C'est ça qu'il veut savoir. Bon. Sans précédent, tu veux globaliser, non? Tu vas dire quoi? Je vais dire que ce n'est pas seulement en étant dans une pièce avec une personne de sexe opposé qui veut forcément mettre les idées que nous les jeunes on amène en tête. Ils peuvent avoir d'autres idées, ça dépend. Ok, je te remercie Jimmy. Merci beaucoup aussi.